comme à son chevet. Encore? J'ai pas terminé. J'ai encore, encore. Tu es marrante, toi, je te dis ce coup-ci, c'est la bonne. Bon, bah, quand j'arrive, on peut prévenir. Oui, je suis en train de te. D'accord, j'arrive. Tu t'occupes. T'occupe. Avant d'aller rejoindre le bon Dieu. Tiens, maman, j'ai des clés spécialement pour toi. Merci, ma chérie, tu es bien bonne. Mais laisse parler ta mère, Augustine, enfin. De fusiller lâchement par les résistants, votre père a caché un gros magot. Tu sais, François, oui. Dans le petit coin de terre, au bout Bourassin, Bourassin. Au Bourassin, là où il y a les pommiers. Ouais. Tu veux parler du préancel? C'est ça, mon petit, le préancel. Et tu te fais remarquer, le préancel, tu l'as vendu au Bourassin il y a deux étés. Oui. Mais à cette époque, on avait besoin de sous. Et je ne savais pas qu'il y avait un trésor de cachet. Papa te l'a jamais dit, hein? Ah, ton père. Ah, parlons-en de ton père. Ne critique pas le père alors que tu es la fille de la mort quand même, maman. Oh, ah. Avec les Allemands, ni dénoncer quelques Juifs. C'était la guerre. Fallait bien vivre. Mais il y a quelques semaines, dans ses affaires, au fond du mal, j'ai trouvé une lettre que votre père n'avait pas eu le temps d'envoyer. Et pourquoi il n'avait pas eu le temps de m'envoyer? Parce qu'il a été fusillé par Dix. Mmh. Il était adressé à sa mère Pécuchet. La grosse vache. Mmh. Oh. Et où elle est, elle est? Ah. Tiens, ma chérie. Hitler est tante Thérèse. Il est temps pour moi de quitter ce maudit village, cette femme que j'ai été obligée d'épouser, et ce François qui n'arrête plus de piailler. En plus, nos amis commencent à mettre les voiles à cause de ces bourricots de bolcheviques. Je désire t'emmener au plus vite, comme ça on pourra continuer à faire des roulades dans les champs, comme le jour où je t'ai rencontré, alors que tu ramassais tes patates. Prépare-toi, ma Thérèse, je t'attendrai jeudi prochain à 18h dans la ruelle derrière chez le boulanger. Hier soir, j'ai caché les lingots au préancel au pied d'un pommier. J'irai les chercher avant de te rejoindre, ton aînesse qui pense à toi, Ernest Pichard. Elle est au courant ou pas de la cachette? Dame, non. Enfin, je ne pense pas puisqu'elle n'a jamais reçu la lettre. Mais qu'est-ce qu'elle est devenue, cette bonne femme? Elle a été fondue, puis elle a quitté le village. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Elle n'est pas revenue. Je vous en supplie, n'éveillez pas les soupçons de la tante Bourassin. Un trésor est caché. Rachetez le terrain à l'Anatole et dès que l'autre sera fait, piochez, creusez, fouillez. Que la main passe et repasse, et si vous réussissez dans votre tâche, vous serez riche jusqu'à la fin de vos jours. Oh, deuxième, c'est vous la Sainte. C'est qui, mon père? Il y a les Pichards sur vos terres, il y a le François et le Simon. Les Pichards? Ils sont prêts à celle. Qu'est-ce que vous foutez dans mon champ? Bonjour, Anatole. On vient de rendre une visite, mais d'homme courtois. Hein. Arrête pas votre courtois, vite. On voulait faire un entendement ensemble. Écrase ta cote, Simon. Je ne vais pas m'entendre avec des fils de collabo. Ce qu'on voudrait, Anatole, c'est te racheter le préancel. On connaît sa valeur, on connaît ce qu'il y a dedans, on te le reprend le double de sa valeur. C'est top folie. C'est un bon achat. C'est mon cidre. Mais non, il fait pas de cidre. Et ben moi, j'aime bien son cidre. Puis c'est pas mais ta gueule, toi aussi. Mais c'est vrai, c'est top folie. Ta gueule. Écrase ta cote. Alors, si tu veux faire un effort et respecter les derniers vœux d'une mourante, tu nous vends le champ. T'en as pas l'entête, t'aurais pu venir à l'enterrement de la mère. Sinon, t'es à son cœur. Non, il s'en a... Allez-vous, tu as arrêté de blasphémer. Va plutôt prévenir la Marie qu'on va sans vie chez le notaire. Vite fait.
assassin se dit d'entre lui, maître. Faites-le entrer, Armand, faites-le entrer. Ah, quelle bonne surprise! Avancez, je vous en prie. Bonjour, maître. Madame Bourassin. Bonjour, Anatole. Asseyez-vous. Même dans le bourg aujourd'hui, il n'y avait pourtant pas d'enterrement. Ben voilà, il y a 2 ans, on a acheté un terrain à Marceline Pichard. Et aujourd'hui, ses filles voulaient nous racheter le double. Et connaissant les Pichard, je sens qu'il y a un coup tordu derrière. C'est cela, tout à fait. Armand? Armand! Oui, maître. Apportez-moi le dossier de Pichard Bourassin du registre 8. Bien, maître. Alors, comment vont les moissons? Oh, je sais pas si ça va être une bonne année. J'espère surtout avoir beaucoup de pommes. Parce que cette année, j'ai pas eu assez de cidre. J'ai dû boire du vin. Oh, là, c'est bon le vin. Merci, Armand. Alors. Bon, alors un conseil, Anatole. Pour moi, ce terrain pomme pourrie qui ne vaut rien, c'est l'affaire de ta vie. Raisonnez votre mari, madame. Jamais je ne vendrai ce terrain au Pichard. D'ailleurs, il fait un excellent cidre, hein. Les pommes sont pas pourries, comme vous dites. Hein. Puis de toute façon, si ces maudits fumiers m'en proposent de doux, c'est qu'il y a bien envie. Souroche! Ah oui, c'est vrai ça. Pourquoi, maître? Appelez-moi Maurice, madame, appelez-moi Maurice. Je n'ai qu'une seule réponse à vous donner. Vendez-moi ce terrain. Oui? Monsieur Le Bon. Ah, c'est vrai, j'avais oublié celui-là. Faites-le patienter. Bien, maître. Je suis désolé, j'avais un rendez-vous plus important. Merci de rien quand même. Allez, au revoir. Réfléchirons au conseil. Oui, oui, on réfléchira. Au revoir, madame. Soit, c'est bon, il fume encore dans le champ. Bien que, c'est bon. Lâche ta clope et donne-moi ça. Et ça, ça, notre jeu. Regarde, hein. T'es déjà dit pour fumer dans les champs de chaume, putain. Ben je l'éteins, ma clope. Ah. Si t'en prends encore une fois à fumer dans la champ de chaume, tu reviens, t'es viré de la ferme. Pour aller faire tes conneries ailleurs. Aussi. Avec l'autre taré de Marcel, là, qui pointait son fusil dans le cul de ton gros con de frangin, là. Un gros fusil, puis chargé en plus. Hein. Et alors? J'aurais déchargé ce gros fusil, hein. Oh, facile à dire, hein. Mais on t'a pas encore vu à l'œuvre, toi. Alors il serait peut-être temps de te bouger le cul, là. Ouais, et si tu veux qu'on partage, hein, t'as intérêt à te remettre popoter un petit peu, hein. Sinon on va diviser qu'en deux, hein. Ton frangin, il est peut-être con, mais il a raison. Ouais. Oh, t'as pour sûr, il est con, hein. Ouais, mais j'ai raison. Oh, ta gueule, ça finit maintenant. Ok, ça va. Je sais, si tu vas le voir, l'Anatole Bourassin, hein, et ben t'as intérêt à laver ton aspirateur à bistouquette. Hein. Tu sens le boulot à planer, t'as le ventre chaud à longueur de journée, alors. Moi, au moins, j'aspire, je ventile, je remue, et je me vide quand le réservoir est plein. Et tous les jours. Hein. C'est moi qui ai cette bouffe. Oh, ta gueule, Simon, ferme donc la merde un peu. Écoutez, putain. Si on s'énerve comme ça, on n'avance à rien. Alors on va essayer de se démerder. Et en attendant, vous êtes quelques idées dans le cul, mais moi, au moins, j'en ai une qui me vient à l'esprit. Quel esprit! Mais on l'a, abruti! Alors écoutez! Voilà mon plan! Joli! À bientôt, Marie. À bientôt, Louise. Tic, tu fous là, la Pichard.
mademoiselle, toi et ta famille, vous établissez séjour chez nous. Bonjour Marie, Anatole n'est pas là? Je voudrais quelques œufs. Hein. Non, ici il n'y a rien à vendre. Tu crois franchement que c'est une tenue? Tout le monde ne réagit pas comme toi. Surtout les hommes, je suppose. Oh, ne prends pas comme ça. Remarque, je te comprends. Toi aussi, t'aimerais bien avoir une tenue de cette qualité. Bonjour, Augustine. Qu'est-ce qu'une jolie fille comme toi fait par chez nous? Bonjour, Anatole. J'étais justement en train de dire à ta femme que je voulais quelques œufs. Les œufs sont toujours frais, voyons. Allez, viens avec moi au poulailler. N'oublieras pas de faire les lâches, Anatole. Non, non, t'inquiète pas. J'adore. Ah bon? Ouais, moi j'aime les prendre la pleine main, même que des fois je me sens toute chose. Oh. Salut, Batula. Alors, ça va? Ça va pas mal. C'est chaud. C'est chaud. Ah, pour le beau, t'aurais pas un couteau, j'en crois, parce que j'ai jamais tapé 8 km sur le temps Jeanne Malheur. Ça fallait du bien quand même. Le curé en a un petit au fer. T'as qu'à demander des... T'as pas tout tapé dedans? Non, non, il en reste un peu. Ok. Allez. Bah, merci à toi, alors. Bonne journée. À plus. Jean-Jacques, François, laisse-le. Oui, donc tu disais. Alors,
Je voudrais savoir refuser de nous vendre. Alors, Augustine est très attachée à sa mère, elle n'a rien à me faire. Alors, elle a décidé d'aller elle-même sur le café des Bourassins. Je suis des Bourassins. Oh mon Dieu. Et ta sœur, avec les arguments qu'elle a donné des hommes. Alors, je sais pas ce que je veux dire. Je sais, mon père, c'est bien pour ça que je me tiens. Il y a deux jours, je vais partir avec toi. Mais je crains bien, non, que les livres. Ta sœur, mais mon père, c'est un des pires. Si ce n'est pour son âme, peut-être. Mais justement, mon père. Alors, pour tout ça, je voudrais que vous alliez faire un tour chez le père Bourassin. Bien, écoute-moi. Voir ce qui s'est passé, s'il vous plaît, mon père. D'accord. Pour te rassurer, je te promets que je vais rendre une visite à Anatole dès la fin de l'année. C'est promis. Merci, mon père. Vous m'appelez, je crois que vous la marée chaussée. Tu as très bien ça. Ça reste entre le villageois sous l'œil du Seigneur. C'est très bien. Merci, mon père. Vous viendrez. Non, père. Merci, mon père. Au revoir, mon père. Au revoir, mon père. Écoute un peu là. Ça fait pas longtemps que je t'ai vu à Cuffes. Bon, non, mon père, ça a quelques jours. Quelques jours? Oh, je crois. Bien, on y va. Bien, bien. Non, 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 viens, on y va. Vous voulez pas que je te tienne? Bien. Un petit péché à me soumettre, peut-être? Oh, comme d'habitude, mon père, les seins de la boulangère, encore là. Ah, mon Dieu, la boulangère. Enfin, à part ça. Ça, rien, mon père. Vous savez, j'ai pas eu beaucoup de temps ces derniers temps, donc la tentation... Tu es bien sûr de toi, François? Oui, mon père. Oui, c'est la seule chose. Bien. Si ce n'est que ça, Dieu te pardonne tous tes péchés, mon fils. Ah, merci, mon père. Mais tu me feras tout de même un acte de contrition, un Ave Maria et un Notre Père pour ta pénitence, François. Oh non! Oui. Tout ça? Oui, oui. Et en plus, tu diras à ton frère d'aller chez la boulangère jusqu'à la fin des moissons. Jusqu'à la fin des moissons, mais en honneur... S'il te plaît, François. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, va en paix, mon fils. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, amen. Merci, mon père. Au revoir, François. Au revoir, mon père. Oui, François. Il vient de faire 8 km à Solex et avec la chaleur. Oui. Allez, vous êtes. Il y a un matelas qui m'a dit que vous aviez un petit rosé. Ah, c'est vrai qu'il est bon, hein, surtout de ce temps-là. On va bien. Bah, écoute, je vais appeler Jean-Jean. Jean-Jean! Viens là! Viens payer un verre à François. Ouais, tu vas l'emmener au bouchon de rosé. Viens là. Hop. Vas-y, François, suis-le. Merci, mon père. Mets-toi. Bon, allez, Jean-Jean, emmène-le. Bonjour. Bonjour. Arrêtez, mon gars. Hein? Bonjour. Le camarade qui a quelque chose. Bonjour. Marcel. Marcel. Ouais, Tikia. Venons là, donc. Tikia, madame Bourassa. Ah, dame, j'y comprends rien, mais non. Alors, tu ne sens, là, je comprends rien. Tu ne comprends pas ce qu'il raconte? Ah, ni, dame. Vas-y, qu'est-ce que t'as, Jean? Viens voir. Viens, parlez, moi. J'ai quelque chose, là. Oh là, je ne comprends pas grand-chose, moi non plus, mais a priori, il vient voir Anatole. Je connais pas le lien, là. Mais t'énerve pas, mon Dieu, j'ai compris. Il vient chercher Anatole de la part du curé. Le curé est malade, et puis, voilà, bah, c'est ça. Bien. Le curé est malade. Bon, a priori, Anatole doit être dans le coin, il faut absolument qu'il le voie. D'accord. En plus, Anatole, il va même pas le comprendre. Tu sais, dis au moins, qu'est-ce qu'il a dit, tu l'es? Je sais, frère. Il faut parler du bon. Je veux voir Anatole, après. Dame, Anatole, il doit être dans les bouées, attends, mais pas des fagots, pour une fois qu'il bosse. Dame. Ah, nom de Dieu. Va ton père, par là. Anatole. Hein? Anatole. Oh, quelle innocence, là. Dame, va voir là-bas. Bon, je vais aller voir, parce qu'il va nous faire chier toute la journée. Anatole. Mais vous là, je comprends pas du tout. Enfin, moi, je m'en sors pas trop mal avec lui parce qu'on va y aller de temps en temps ensemble. C'est pas toujours facile à comprendre. Quel con, bonjour, Jean-Jean, ça va?
Ça va? Qu'en dit ici? Le curé n'a pas pu venir ici. Ah, ouais. Il m'a raconté tout à l'heure, c'est le curé qui l'envoie, et le curé est persuadé que Justine, elle est ici, elle a disparu de chez les Pichards, et c'est un des fils Pichard qui a été voir le curé. Voilà. Alors moi je sais pas, mais moi je ne comprends rien. Qu'est-ce qu'on en fait de l'Augustine? Moi je sais bien ce que j'en fais, mais vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, le curé est vraiment persuadé qu'elle est là. Ouais, bon, d'accord, c'est vous la rendre, l'Augustine. Oh. Faites pas chier. Et où qu'elle est? Elle est avec les fouets. Avec les fouets? Mais oui, mais ils ont rien à craindre. Elle est attachée. Elle est dure, belle, comme ça. Bon, allez, arrête de faire le zob et délicite-la maintenant. Ça suffit, hein. Oh, non, Mais quelle bête! Viens là, Jean-Jean! Mais là, viens, Jean-Jean! Viens! Dégage! Lâche-la! Lâche-la! Viens voir la goutte-cide! Viens! Je sais où il y a du cide! Du cide! Ça va, Jean-Jean? Viens voir la goutte-cide! Viens, sors le don! Sors le don! Putain, il a lâché! Je le comprends! Viens! Ah, ben, bah, dis donc, c'est bien la première fois qu'un homme t'effarouche! Avec toi, ce sera deux! Ouais, ouais! C'est ça! Détache-moi, tu vas voir! Hein. Ouais, fous-moi le camp. Tu vas m'entendre parler de J'ai pas chiant. Besoin d'une mariée salope comme toi ici pour briser mon ménage. Ça va chier, fous-moi le camp. Arrête, va aller avec ton cidre, mon vieux. Tiens, Jean-Jean, tiens, prends un verre. Mais non, Dieu, t'es vraiment qu'une bête. Je vais te le foutre avec Augustine. Donne-moi ça. Maudit Augustine est quand même un bon coup. Puis en plus, t'as dit du bien. Qu'est-ce que t'as dit? Oh, des bons dieux, lui. Quelle famille. Ah. Chère et tendre Thérèse, il est temps pour moi de quitter sa marque du village, cette femme que j'ai été obligé d'épouser, et ce François qui n'arrête plus de pioyer. Quel con! En plus, nos amis commencent à mettre les voiles à cause de ces bourricots de bolcheviques. Je désire t'emmener au plus vite, comme ça on pourra continuer à faire des roulades dans les champs, comme le jour où je t'ai rencontré alors que tu ramassais. Et tes patates. Oh les maudits salauds. Prépare-toi ma Thérèse, je t'attendrai jeudi prochain à 18h dans la ruelle derrière chez le boulanger. Oh mon Dieu, mon Dieu. Hier soir, j'ai caché les lingots pleins en sel au pied d'un pommier. Et au pleins en sel au pied d'un pommier, des lingots. J'irai les chercher avant de te rejoindre. Ton onos, ton NS qui pense à toi, Ernest Pichard. Des lingots prêts en sel, nom de Dieu. Signé Ernest Pichard, il est au courant. Ça va? Tu récupères, hein? Ça va, ça va. Il faut même du temps pour récupérer, ce n'est pas mauvais, hein? Ah, bah tu m'étonnes. Bon, par contre, je viens de me rendre compte, dis donc, je crois bien que j'ai oublié de fermer l'enclos pour les bêtes. Ah, c'est drôle comme gâte, ça. Enfin bon, tu
veux boire quelque chose? Un petit chouchette, je sais pas moi. Je t'aime aussi, mais faut... Faut que j'y aille parce que... Faut que j'y aille. Imagine-toi. Oh, si, l'Augustine, c'était très bon, très très bon. Mais il faut absolument que j'y aille. Imagine si toutes les bêtes partent à cavaler. Moi, je vais me faire encore engueuler. Tous ces mêmes. Ça baisse, et puis après, plus rien. Oh, on mettra ça demain. Oh, tout humide. Tu peux toujours courir. Allez, Christine, à la prochaine. C'est ça, ouais. Que c'est Bourassard, je sais tout. Je sais tout, c'est Bourassard. Tu sais tout quoi? Il y a un trésor sous le pied d'un pommier. Qu'est-ce que tu parles, là? Les pichards, nom de Dieu, les pichards. On ne blasphème pas ici. Je vous dis qu'il y a un trésor au préancel, nom de Dieu. Au préancel? Voilà. Quand, comme vous me l'avez demandé, j'ai été rendre une petite visite à l'Augustine. Et puis je fais donner mon corps. Bon, si vous aviez vu, elle a des mamelles. Bon, continue. Et puis ben voilà. Une fois que je fais donner mon corps, pendant un petit bout de temps, après je me suis reposé. Et puis ben, c'est là que j'ai appris que... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, va donc piocher, taille. Tu vas voir ce que c'est que piocher, mon Dieu. Mais c'est quoi? Pour écouler les bras. Oh, bon de là, une cassette en métal. Oh. Regarde, ma Marie. Oh. Oh, oh. Martel, ça y est. Le titre. Eh ouais, monsieur Bourassa, comprenez, c'est pas que je gagne bon bien ma vie chez vous, mais... Allez passer quelque temps en ville avec le petit paquet d'oseilles que j'ai maintenant. Ben fais attention à pas que ça se fie par les filles, hein. Oh, vous inquiétez pas pour ça. Allez, vous d'autres. Bon, je vais y aller, j'ai le bus qui m'attend au coin de la route là-bas, je veux pas le faire attendre. Ouais, ben je comprends. Allez, bonne chance, mon gars. Hein. Alors, voyure. Voilà. J'en ai marre, ce putain. J'ai dans le bourg, moi, après. Hein. Neuvième pommier qu'on fait, ras-le-cul. Neuvième pommier qu'on fait, t'as rien foutu, toi, c'est le premier qui creuse. T'en as fait deux, combien, toi? Un, il en a fait. Ouais, un, et encore. Mais on retrouvera jamais ton putain de trésor. Mais t'en as fait une main, peut-être. Elle m'a me faire buffer tout le temps. Eh ben, écrase ta clope. Pas dur, quand même. Mais bien, ça se prend avec tes deux mains. Peut-être que tu trouveras quelque chose. Puis arrête de chialer, regarde-moi ça, j'ai une petite femmelette là. M'énerve, mais problème comme tout le temps alors. Puis on veut pas de femmelette à la maison alors, si tu chiales encore, t'es viré de la ferme. T'avais des couilles, il va plus. Eh ben j'ai viré tout seul de la ferme. Ça va pas alors. Bien fait. On a pas besoin de toi. Oh, merde hein. Aïe, bordel, mais il est con celui-là ou quoi? Mange merde. Merde, François. Comme moi, les encore en train de s'engueuler. Ah là là, quelle abrutie, ce dame. C'est vrai, Val. Heureusement qu'on leur a piqué le trésor, hein. Ah ouais. Au point, c'est un tracteur neuf. Et puis, on prend ça, comment j'en prends la boutique. Simon. Qu'est-ce qu'il a, il est dégueulasse, là? Simon, nom de Dieu. Si tu reviens pas dans 5 minutes, t'es viré. Mais il croit qu'on va pas lui passer la nuit. Il va pas passer la nuit entre les gens, parce qu'il va se faire là. Bon, il faut toujours revenir. Tout est bien, qui finit bien. Tu as bien raison, non? Mais creuse, tu vas faire nuit.